Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je vais réaliser du bouturage ligneux, c'est-à-dire que je vais faire des boutures avec des branches d'arbustes qui sont à feuillage caduc. Donc on arrive à un moment dans l'hiver là où les arbustes ont perdu leurs feuilles et c'est le bon moment. Alors on appelle ça des boutures ligneuses ou aussi des boutures de bois sec. Mais le bois sec, c'est pas parce qu'il est mort, c'est tout simplement parce que la plupart du temps, les arbustes ont perdu leurs feuilles et donc on est en plein repos végétatif. On est donc début décembre, le moment est bien choisi et puis ça peut courir aussi jusque début mars ou fin mars dans certaines régions. En tout cas, il ne faut pas que les végétaux aient recommencé le débourrement du printemps, c'est-à-dire à refaire des nouvelles feuilles. Voilà, alors la pratique c'est tout simple. Là, ici derrière moi, j'ai un jeune forsythia. Voilà, celui-ci, alors il a encore quelques feuilles, mais c'est pas grave, il entre en repos végétatif doucement. J'ai aussi un végéla que je vais vous montrer tout à l'heure, et puis j'ai fait aussi avec une branche de noisetier. Donc en fait, la gamme ou le panel de végétaux que l'on peut faire est assez large. Je peux pas vous donner une liste exhaustive là, comme ça. Ça va donc des arbustes à feuillage caduc, comme ceux que je viens de vous montrer. Ça peut être par exemple des arbres à papillons aussi, mais ça peut être aussi les petits fruits, les groseilliers, les cassissiers par exemple. Et puis aussi, on peut aller, si on fait dans les arbres, ça peut être du platane, on peut y arriver. Et puis ça marche aussi avec tous les cornouillers à bois décoratifs, que ce soit les bois jaunes comme rose ou un peu plus rouge. Voilà, tout ça fonctionne pas mal et je vais vous montrer maintenant comment je fais pour faire ces boutures ligneuses. Alors donc pour prélever ici des rameaux, ce que l'on appelle des rameaux boutures, je vais choisir un bois jeune, c'est-à-dire un bois de l'année comme celui-ci, et non pas un bois qui a 2 ans comme celui-ci par exemple. Donc voilà, on a une belle pousse ici. Alors ça va le dénaturer un petit peu, mais c'est mon choix. Donc je vais juste prélever un rameau ici. Alors je vais faire comme si je taillais. Alors juste une chose importante, c'est que le forsythia ne se taille pas en plein hiver, puisqu'il est prévu qu'il fasse sa floraison au mois de mars. Donc comme tous les arbustes à floraison printanière, il faut les tailler après la floraison, c'est-à-dire en fin de printemps. Donc là, je vais supprimer une branche qui aurait dû avoir normalement des fleurs, mais pour moi, c'est pas grave, je veux avoir un plant. D'ailleurs, celui-ci, il est déjà issu de boutures que j'avais faites, et c'est comme ça que j'ai dans le jardin plusieurs arbustes qui ne m'ont rien coûté, puisque j'en ai fait des boutures. Voilà, un rameau bouture, et puis je vais vous montrer aussi pour le végéla. J'en ai un à côté là-bas, on y va. Et pour le végéla, c'est la même chose ici. J'ai un jeune rameau ici qui a poussé, donc je vais le prélever, voilà, tout simplement, et ça me fait un rameau bouture aussi. Voilà, donc j'ai mes deux rameaux boutures, je vais maintenant aller préparer les boutures, on voit ça de suite. Pour réaliser les boutures, rien de plus simple, voilà, j'ai mon rameau de forsythia ici, j'ai le noisetier que j'avais prélevé, et puis j'ai ici le rameau de végéla. Alors, c'est pas compliqué, on a donc, dans le sens de la croissance, toujours, on a ici les bourgeons, et puis la tête là-haut. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais couper sous un bourgeon, et je vais supprimer les feuilles, bien sûr, qui normalement devrait être tombé, mais c'est pas grave, on arrive en plein repos végétatif. Hop, et puis ce que je fais, c'est que je prends la longueur d'un sécateur et donc je vais couper la tête ici, et là voilà, j'ai une bouture ligneuse de la taille de mon sécateur. Et je fais la même chose ici avec le forsythia. Alors ici, eh bien c'est simple. Alors les professionnels, parfois, ils s'embêtent pas, eux, ils font des fagots et puis ils coupent comme ça à la scie circulaire. Ils ne se soucient pas réellement de la distance entre le bourgeon ici et la coupe, parce que tout simplement, avec du bois jeune comme ça, ça arrive même à faire des racines sur les côtés ici. Donc on ne s'en soucie pas trop. Moi, je le fais quand même par acquis de conscience. Et puis voilà, hop, je vais supprimer les feuilles. Et toujours la longueur du sécateur, donc je vais couper juste ici. Hop, et j'ai une deuxième bouture, une bouture de forsythia. Voilà, et j'en fais une deuxième ici. Toujours la longueur du sécateur, je vais couper ici. Voilà. Et pareil pour le noisetier. Donc voilà mon fagot de bouture, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que je les mette en terre. Alors j'ai plusieurs solutions. Donc c'est soit je les mets directement en terre, en pleine terre, dans un système que j'ai pour appeler une pépinière, c'est-à-dire que c'est un sol que j'ai préparé, je vais les mettre en ligne, et puis quand elles auront raciné, je les enlèverai et je les recultiverai à leur emplacement en place. L'autre solution, c'est de les mettre en pot, comme ça. Voilà. Donc là, tout simplement, alors vous pouvez voir sur la vidéo que je vous montre ici, notamment quand je fais du bouturage herbacé, je vous conseille de planter à peu près d'un tiers la bouture. Ici, on plante carrément de moitié.
Ce qui fait que j'enfonce la bouture de moitié. Et là, c'est du noisetier. J'ai préparé trois boutures. Donc, dans un pot comme ça, je vais optimiser la place. Je vais faire, hop, trois emplacements, trois plantations. Voilà, de moitié. Et ici. Voilà, ce qui fait que ça laisse beaucoup de place ici à la bouture pour s'enraciner. Et puis là, voilà ce que ça me donne. Mon pot avec mes noisetiers. Et je fais la même chose avec le forsythia. Le forsythia, je n'ai fait que deux boutures parce que je n'ai pas besoin de plus. J'aurais pu faire trois. Et bien là, je plante pareil, de moitié. J'enfonce de moitié, je cale un peu. Et voilà mon pot avec ces deux boutures. L'intérêt, c'est que comme là, le taux de reprise peut aller de 50 à 100%, donc c'est quand même pas mal, ben là, soit j'aurai deux plants, soit j'en aurai qu'un, et à ce moment-là, je le replanterai ailleurs. L'autre solution, c'est comme ce genre de bouture reprend bien, je peux très bien avoir dans un jardin, chez des amis ou dans un parc, à récupérer des morceaux d'arbustes, des rameaux boutures, et puis je prévois de faire une haie, donc je prépare mon sol, je prépare le sol qui accueillera définitivement à la haie, je vais planter de façon plus serrée, en ligne, et puis comme ça, ça me fera ma haie, et si j'ai un bon taux de réussite, et eh bien j'aurai des boutures pour ailleurs. Et là maintenant je vais le laisser au nord. Bien sûr ça va avoir les arrosages de l'hiver, ça va rester au nord toute la saison parce que là maintenant il faut que ça reprenne. Me voilà donc avec mes boutures qui sont en pot. Maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça reprenne, c'est-à-dire tout le printemps qui va venir. Et puis je verrai à la saison d'automne ce que j'en fais pour les replanter en pleine terre ou les cultiver en pot encore. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.